On peut parler, il n'y a pas de souci, hein, je mets jamais les voix. Il a compris ton chien? Ah ouais. Et après, plus ça va, plus on éloigne les saucisses. Sauf que après, on en met qu'une ou deux. Et après, quand on commence les ongles, pas tout de suite, on met une saucisse avant et une saucisse après. Ça nous permet qu'on est sûr qu'on est sur notre ongle. Ah oui, parce que dans un champ, on va trouver ton ongle, toi. Bah oui, c'est sûr. Là, le chien met bien son nez au sol, il s'en fout de sa maîtresse, parce que le but c'est pas de retrouver sa maîtresse, mais bien l'odeur qu'on lui a indiquée. Il a bien compris. Hein. Ouais. Oh, en général, ça marche bien. J'ai pas trop de problèmes là-dessus. Un chien gourmand, t'es tranquille. Voilà, après, il y a tout le travail de l'objet qui est un peu, des fois un peu plus compliqué pour certains chiens. Donc, on reste là-bas tant que l'objet n'est pas en bouche, hein, du coup. Si ton chien a le rapport d'objet, oui, sinon tu prends l'objet et puis voilà quoi.